le delay. Delay, c'est la timeline. C'est un tape un peu usé, basé à 500 millisecondes. Voilà, là-dessus, il y a un petit dual overdrive qui vient d'arriver. Mode crunch, bon, pas essentiel. Premier accord, c'est un Do. Un Do, un Sol. Sol, mais avec la base majeure. Ici. Ensuite. Elle marche là, à peu près. Je rajoute celle-là. Et qu'on a sur le Do, un truc typique de Joe Ruticolan. On tourne sur le Sol, donc. Et le Sol. Il reste un peu là. Il met le sus 4. Aussi le 6, on tricote autour, on peut passer là aussi. On joue avec la 6ème ici. Je pourrais passer cette position. Ensuite le Ré. Que du, on est bien, on est en majeur. Truc ça. La mineur, comme d'hab. Après fait ça. Tu rajoutes le Do en basse. Après on part dans les aigus. Toujours le Sol ça. Avec la basse si. Là, bah c'est. Vous écoutez, hein, vous voyez pas, juste à l'écoute. Et le Do. Et là, en fait, on peut juste faire. Alors, ça passe, mais si on. À un moment donné, si on fait cette délai, ça résonne de trop partout. Après, il fait. Là, j'ai écouté trois fois la chanson, donc faut improviser. Je sais qu'il fait. Prends pas sur le Ré. On tourne sur le Sol Bassi. La petite transition, si on veut revenir octave inférieure. Refait. Et refait. Bien, et tout le jeu c'est de rentrer dans le rythme du delay. En fait, c'est le plus dur. Entre le bon timing et le delay. Voilà. Puis on peut rajouter ça aussi, je suis en train de voir.
concert. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Je vais aller voir le Drive que je viens de commander.